Allô? Oui. Bonjour mon frère, comment tu vas? Oui, ça va. Ah, Ça va, là, grâce à Dieu. tu es arrivé, c'est bon. Donc, je suis en train de lancer les invitations. Voilà, je pense que là, les gens vont se connecter. Voilà. Ouais, c'était toi. Tu es déjà en ligne, donc c'est bon. Alors, comment on dit ici? Ah, il y a Jean-Yves qui est là, je crois. Oui. Notre Comment frère, tu vas, Jean-Yves? le cousin de Molière. Hey, attends, je l'envoie, je l'invite aussi sur le plateau. Ah, aujourd'hui, c'est une très bonne chose de l'avoir avec nous, mon frère Jean-Yves, du PDCI RDA. Ça me fait plaisir. Allô, Jean-Yves. Oui, frère, comment tu vas? J'ai un peu de temps pour toi ce matin, donc je suis présent. Bonjour, Bravo, bonjour. merci beaucoup, ça, c'est Bonjour. un honneur, Bonjour. c'est un plaisir, toi-même tu sais, ça c'est la famille déjà, mais en tant que personnalité, c'est un honneur pour moi, pour nous, pardon, de nous avoir, je suis avec Maître Zoukou. Oui, bonjour mon frère Zoukou. Oui, bonjour frère. Le très très Bonne puissant arrivée. Zoukou, j'ai écouté une fois tes cours sur les histoires de sorciers et tout, là, j'ai été subjugué par la pertinence de tes propos. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis flatté. Venant d'un homme structuré comme toi, je suis flatté. Alors, aujourd'hui, mon frère Jean-Yves, ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Et puis, tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand on dit que tout se met en place spirituellement même, dans tout ce que nous faisons, quand on est dans la vérité, c'est réel, quoi. Ça ne ment pas. Parce que j'étais avec mon frère Zoku et on parlait justement du pays. On parlait de l'avenir du pays. On parlait du comportement des Ivoiriens. On parlait aussi de l'attitude des partis politiques ivoiriens. Et étrangement, Maître Zoku disait, mais il y a longtemps, on n'a pas parlé avec Jean-Yves, qui est fait partie du bureau politique du PDCI, pour avoir la vision du PDCI actuellement par rapport à ce qui est en train de se passer. Et puis, boum, te voilà, tu apparais. Mais tu es obligé, mais écoute, tu es obligé, tu as du coup, je suis un sorcier, hein? J'ai lu dans vos esprits. Voilà. Donc, tu vois, même actuellement, j'ai la chair de poule. Il va falloir que je sois en train de te parler parce que je sais, je suis convaincu, certain à 1000% qu'on est dans la vérité. On est sur le chemin de la vérité et on doit insister, continuer jusqu'à la victoire finale. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Tout à fait, je t'en prie, un plaisir, un vrai Donc, plaisir. C'est vrai je vais laisser Maître Zoukou faire l'introduction de l'émission d'aujourd'hui et puis Oui. on va se lancer en même temps dans nos discussions. Attends que je vois un peu comment tu as formulé Le le titre. titre de ta vidéo. Ah, j'ai C'est en fonction de dit ça que. Ivoire. Je te dis, là, je me Oui. rappelle. J'ai dit Oui. en gros caractère, ivoirien inconscient par rapport aux échéances à venir. Point d'interrogation. D'accord. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et comme tout le monde le sait, les échéances électorales approchent, les municipales approchent. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin. Voilà. Juillet, août, septembre. C'est dans un peu moins de 3 mois. Voilà. Et on est conscient que les échéances électorales, depuis la réapparition du multipartisme, sont toujours source de tension. Voilà. Depuis 90. Et deuxième remarque qu'on fait, c'est qu'au fil des années, les tensions prennent de l'ampleur. C'est-à-dire l'ampleur qu'a prise les élections multipartites de 90 était moins forte que l'ampleur qu'a prise les élections de 95. Elles-mêmes, qui ont été moins fortes que 2000. Et 2000 a été moins fort que 2010. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, au fil des ans, les tensions
monte d'un cran. Donc là encore, on a des élections qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la CEI? On remarque petit à petit, avec le travail de fond que font nos deux papis, Bédié et Babo et les équipes, on remarque que la liste électorale, même si elle est provisoire, est de plus en plus scandaleuse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à une institution à qui on donne 12 milliards rien que pour réviser les listes et qui, au final, nous présente un travail entaché d'irrégularité et entaché de faux. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à une telle liste électorale? Est-ce qu'on va continuer à se montrer inconscient, à faire la politique de l'autruche, à continuer nos buzz, nos bérets et le divertissement par-ci par-là, DJ congélateur, de bébé sans os de Biankouma ou de Ma, continuons-nous dans la. Allô? Coup sûr d'arriver. Allô, tu m'entends? Allô? Ils ont commencé. Allô? À pomper les cœurs, pomper les cœurs, pomper les cœurs. On n'a même pas commencé à parler, hein? Bezoku, tu m'entends? Lui aussi, ils l'ont verrouillé. Ok, on va trouver une solution. Pompez les cœurs, pompez, pompez. Merci, Sodaga, Cerveau, Kalbouré, Zongo, du Burkina Faso, le pays frère. Merci, 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 merci beaucoup pour tous les cœurs. Fernand Blé, mon frère, merci à tous ceux qui pompent les cœurs. Vraiment, pompez, on en a besoin. On est en guerre, ces communications. Ils ne veulent pas nous laisser parler, mais on va parler bien, comme on dit. Donc, le message va surtout voyager. Parce que des fois, c'est à partir d'un petit message que la vague monte, monte, et puis ça devient maintenant un ouragan de main de messages. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'inspirer de ça et reprendre, et ainsi de suite. Mais il faut toujours que ça parte de quelque part. Donc, nous, aujourd'hui, on commence. D'ailleurs, ce n'est même pas nous. C'est Okossissi Baba Nicolo qui a commencé. Et moi, j'ai repris maintenant. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Quand quelqu'un d'autre entend le message, il reprend aussi en nous parlant. Et ainsi de suite, on va réussir à faire ce raz de marée qui va faire changer les choses. Donc, on attend que Jean-Yves aussi revienne, qui a été Oui. déconnecté du live. Il faudrait lui faire un Donc là, je signe sais pas. qu'il fasse une demande, ou bien qu'il écrive un texte, qu'il écrive un commentaire. Comme ça, du commentaire, je pourrais l'inviter. Qu'il écrive un commentaire, s'il est là. Voilà, et puis on pourra continuer. Donc, on va continuer par rapport à J'ai tous ceux qui nous l'impression que regardent déjà. c'est des aléas techniques, hein. Bah, écoute. D'un coup, ça a été coupé. Les gens savent ce qu'ils font. Parce qu'ils dénoncent la vidéo, en fait. Les gars, ils ont des gens sur les réseaux pour rentrer dans les vidéos des gens. Quand on parle des problèmes qui les fâchent, ben, ils ont des gens qui signalent la vidéo. Ça signale, ça signale, ça signale. Et ce n'est pas Mouvement. des hommes qui reçoivent les signalements, ce sont des machines. L'intelligence artificielle, les algorithmes. Quand l'algorithme calcule le plus de signalements par rapport au plus de cœurs, au plus de likes, eh ben l'intelligence artificielle coupe automatiquement. Voilà pourquoi on vous demande de mettre beaucoup de cœurs, beaucoup de trucs pour dépasser le nombre de ceux qui signalent. Voilà. Merci beaucoup pour votre réaction, parce que là, je vois que les gens réagissent. Alors, Maître Zoku, Vraiment, tu continues merci l'introduction. beaucoup. Merci, merci pour les cœurs que je vois. Donc, je disais que plus les années passent et plus les élections sont de plus en plus tendues et meurtrières. Voilà, c'est ce que je disais. En 90, nous avons eu la première élection multipartite. Il y a eu des tensions, même si ça n'a pas atteint un seuil critique avec des morts, mais déjà en 90, il y a eu des tensions. Après ça, en 95, il y a eu encore plus de tensions. Et c'est là qu'on a connu des tensions électorales qui créent des morts. 95, rappelez-vous, le boycott actif. Ensuite, après 95, il y a eu 2000, l'année de l'accession au pouvoir de Laurent Gbagbo.
Là encore, vous vous rappelez, il y a eu des tensions avec des morts encore plus tendues que 95. Après 2000, il y a eu 2010 et la fameuse crise post-électorale La guerre. qui a atteint presque un summum avec 3000 morts. Officiellement, Donc, hein. officiellement. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Plus les années passent et plus les élections sont meurtrières, c'est-à-dire d'une année à une autre, les crises électorales font de plus en plus de morts. En 2020, on a encore eu le problème du troisième mandat du président Ouattara, avec encore des morts. Mais là, on remarque que le bilan, la comptabilité macabre a un peu baissé. Et ça s'explique. Il y a eu quand même de la retenue de part et d'autre. On a eu un peu peur que le bilan de 2010 soit réédité. Donc, il y a eu un peu de retenue. Mais n'empêche que le décor est déjà planté. On s'achemine tout doucement vers des élections très conflictuelles. Non, mais Et là, je il parlais y a d'un. eu moins de morts parce que de l'autre côté, dans l'opposition, l'opposition n'était pas armée, comme en 2010. En 2010, il y avait une opposition qui était armée et puis le Ah pouvoir en place était armé. oui. En fait, Donc, c'est ça. Je voilà, crois que c'est c'est pour ça. l'explication. Oui. C'est l'explication. Il y a eu plus de morts parce que, effectivement, l'opposition n'était pas armée. L'opposition a fait des manifestations globalement pacifiques ou Oui. avec des armes de fortune. Qu'est-ce que j'appelle armes de fortune? L'abattage des troncs d'arbres sur les routes et la prise d'assaut de certains lieux où on a disposé le matériel électoral. C'était des foules, comme on appelle, des foules de citoyens, hein, armées si vous voulez, de petites armes rudimentaires, des branchages, des petits trucs comme Attends, ça. Voilà. excuse-moi, Jean-Yves est là, mais Jean-Yves, sors du live et puis reviens, s'il te plaît, pour que je puisse t'envoyer l'invitation. Tu sors du live et puis tu reviens et tu écris, je suis là, puis je vais te renvoyer. Ah, voilà, je crois que c'est bon là maintenant. Attends. Voilà. Ok, là, c'est bon, c'est bon. Ok, continue, excuse-moi. Oui, donc voilà, c'est ça. Et en 2010, on n'a pas réédité la situation. En 2020, on n'a pas réédité la situation. En 2010, comme le dit Bois Kouassi, parce que l'opposition n'était pas armée. Voilà. C'était des citoyens mobilisés qui utilisaient des moyens de fortune, c'est-à-dire venir en masse, envahir les lieux où sont entreposées les urnes, procéder par abattage de troncs d'arbres pour bloquer les routes pour empêcher l'accès, l'acheminement du matériel électoral. Voilà. Et globalement, elle a riposté face aux attaques des nervis. Le mot est à la mode. Face aux attaques des microbes armés, elle n'a fait que de la légitime défense avec quelques moyens de bord. Elle n'était pas armée au niveau de la rébellion des forces nouvelles ou du MPCI. Donc, je disais que le décor semble à nouveau planté avec une CEI qui sort une liste électorale digne du jamais vu. Voilà. Avec des choses, des fraudes scandaleuses, des choses impensables qui sont dignes de faire figurer la Côte d'Ivoire au niveau des records Guinness en matière de choses incongrues. Donc, face à cette liste électorale qui dépasse un peu l'entendement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de se laisser distraire par le divertissement, par les buzz, par les bérets, par la rigolade, la comédie? Ou bien, dès maintenant, on peut commencer à se mobiliser comme on l'a fait au niveau de la crise des data. On peut commencer à se réveiller sur la toile pour mettre une certaine pression sur les fraudeurs. Est-ce qu'on est si inconscient que ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire preuve quand même d'un petit sursaut citoyen? Est-ce que tous les acteurs de la toile, tous les lanceurs d'alerte, ne peuvent pas enclencher un processus de veille citoyenne pour qu'au moins le résultat des votes soit effectivement sincère? Soit le fruit d'un décompte juste de tous les bulletins de vote. Voilà la causerie
à laquelle notre frère Bois Kouassi nous invite. Donc, je lui laisse la parole. Je vais plutôt laisser la parole à notre frère Jean-Yves, qui nous fait l'honneur d'être là. Tu as lancé déjà le pavé dans la mare et par rapport à la vision du parti, le PDCI, puisque pour moi, Jean-Yves représente le PDCI-RDA, il est cadre du PDCI-RDA et il fait partie du bureau politique aussi. Et je pense qu'il a quand même une opinion qui pourra peut-être nous apaiser, qui pourra peut-être nous interroger, qui pourra nous faire voir un espoir, qui pourra en tout cas nous éclairer sur une voie en tant que un membre d'un parti politique influent et important en Côte d'Ivoire, l'un des plus grands d'ailleurs, et ça va nous aider peut-être à enrichir la causerie. Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de choses dans le ventre que je veux dire aujourd'hui, mais je préfère laisser mon frère Jean-Yves commencer à nous exposer déjà ce qui se passe dans son parti par rapport à ces élections qui arrivent. Et puis à partir de là, maintenant, nous, on pourra maintenant développer le reste. Alors, Jean-Yves, je te laisse la parole. Oui, alors merci, cher ami, et bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux rapidement, en 2 secondes, reformuler la question pour que je puisse bien y répondre? Voilà. Alors, il va y avoir des échéances électorales très bientôt. Le PPACI, qui est le parti de M. Koudou Laurent Gbagbo, a décidé de mettre en place une institution qui s'appelle CEF, qui est chargée de vérifier si les élections qui vont se passer se feront de façon juste, transparente, honnête et claire et inclusive pour tout le monde. Et apparemment, à travers les vérifications, simples vérifications des gens qui sont sur cette liste électorale qui permet aux gens d'aller voter, en moins de 10 jours, ils ont constaté 2 millions de personnes étranges. Parmi les 6 millions qui peuvent voter, par exemple, il y a 2 millions de personnes qui sont sorties des listes qui ne sont pas du tout correctes. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui ont le même nom. Des gens, par exemple, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Des gens, par exemple, qui ont le même extrait de naissance, alors qu'ils sont moins 200, 300 personnes qui ont le même extrait de naissance, mais qui n'ont pas, par exemple, la même photo d'identité, mais c'est le même nom, le même extrait de naissance. Et quand on pose la question à la CEI, je crois que c'est ça, CEI, BCIE, je ne sais plus, hein, tellement les deux sont pareils, dans les résultats des services qu'ils nous donnent, les gens disent que non, ce n'est pas grave, non, c'est vraiment insignifiant, malgré ça, on peut quand même aller aux élections, on peut quand même faire ceci, cela. Quelle est la position du PDCI par rapport justement à ces fraudes-là qui sont visibles? Est-ce que le PDCI va aller à des élections avec ce système électoral-là qui est pourri, mais qui est vraiment gangréné, qui est vraiment malsain? Ou bien il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont claires, qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir dénoncer justement cette commission électorale? Ok. Alors, ok, j'ai bien compris. Alors, dans un premier temps, avant de développer, enfin, d'abord déjà, je ne parle pas au nom du PDCI. Faut faire très attention. On est dans un truc public. Heureusement que malgré le fait que je sois au PDCI, j'ai mon opinion personnelle et quelquefois même je critique même ma propre famille politique, ce qui me cause certains problèmes. Mais bon. Tu me connais hein, depuis l'enfance. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Voilà. Donc il faut bien que je précise ça. Je ne parle pas au nom du PDCI. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le PDCI et moi également et pratiquement tous les militants du PDCI sont d'accord sur une chose. La politique de la crise vide, elle est à proscrire. La politique du boycott est à proscrire. On a eu une très mauvaise expérience de 2020. On va pas le recommencer. Le boycott n'a jamais marché et la politique de la chaise vide n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché pourquoi? Ça n'a jamais marché pourquoi? Ça n'a jamais marché parce que ça n'a jamais été suivi à 100%. Donc dès le moment où il y a un
pourcentage qui boycotte et puis un petit pourcentage qui boycotte pas, ça foire le business. Si tout le monde est OK pour boycotter à 100% en boycott, c'est clair que c'est la bonne politique. Mais s'il y en a ne serait-ce que 3% ou 4% qui sont pas d'accord pour boycotter, c'est les 97% boycottants là qui ont tort. C'est que pour 2020, on a eu un KKB de gala qui est venu juste pour faire élire un président anticonstitutionnel. Bon. Oui. Ceci étant dit, allô? Eh, hey, pompez les cœurs. Ah, ça recommence. Allô. Voilà. Allô, non, c'est parce que j'ai plusieurs appels. Oui. Attendez. Okay. D'accord. Hein? Oui. Voilà, ceci étant dit, il faut effectivement qu'on fasse une action par rapport à la CEI pour qu'elle soit nettoyée. Maintenant, il y a deux types d'actions. Le PPACI et le PDCI travaillent, le PPACI avec SAFE, le PDCI avec un cabinet externe d'avocats qui sont en train de travailler sur la liste pour y déceler les anomalies. Donc effectivement, ça c'est la première piste. On décèle les anomalies et on les dénonce. La seconde piste que moi je préconise et ça n'engage que moi, hein, c'est pas la voix du PDCI officiel, ou alors si c'est la voix, je n'en ai pas été informé, et bon, en tout cas, je serais content que ce soit cette voie. On se trompe de cible. Ce n'est pas le président de la CEI qu'il faut attaquer parce qu'il a mal fait son travail de révision de la liste électorale avec les 12 milliards qu'on lui a donné. C'est pas ça. On se trompe de cible. Et moi, j'en suis un exemple très très clair puisque je suis allé lui poser moi-même les questions sur le plateau NCI, questions pour qu'il puisse y répondre. Il a répondu à toutes les questions parfaitement. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il est assis, il se barricade derrière ses textes. Et dans ses textes, il y a des choses qui sont très claires. On ne peut pas radier. Écoute-moi bien. Hein. Dans cette texte, je crois que c'est l'article 12 ou bien l'article, je sais plus combien, il va falloir qu'on regarde les textes de la CEI. On ne peut pas radier une personne pour une erreur d'inscription. C'est un article de la CEI. Donc, même si tu vois quelqu'un qui a écrit 1870, donc c'est-à-dire qu'il a, c'est un centenaire, et que tu le vois arriver, il ressemble plutôt à un cinquantenaire, il ressemble plus à quelqu'un qui a 50 ans, ça veut dire automatiquement qu'au lieu de mettre 1970, il s'est trompé, il a mis 1870. Donc, tu es obligé de conserver son nom et lui demander lui-même de venir faire la rectification. Tu ne peux pas le radier. Donc, dès le moment où quelqu'un t'expose ça et il te montre les textes de loi de la CEI, quelles que soient les anomalies que tu vas trouver qui sont du même genre, ça n'aura aucun effet parce qu'il te dira toujours que lui, il respecte les textes. Il peut pas radier cette personne. Donc, selon moi, la première chose qu'il faut utiliser, il faut attaquer les textes de la CEI. Et ça, ça se passe beaucoup plus haut. Ça se passe dans le dialogue politique. C'est au niveau du dialogue politique qu'il faut s'asseoir pour dire, voilà, dans les textes de la CEI, là, nous ne sommes pas d'accord avec l'article 12, avec l'article 18, avec l'article 33, il faut qu'on s'asseye dessus pour le reformuler, pour que la CEI puisse faire son travail correctement. Donc, voilà un peu, moi, ce que je préconise. Donc, pour que cette voie-là soit choisie, il faut, dans un premier temps, négocier pour un report, un vrai report. C'est pas le petit report qu'ils ont fait du 10 au 15, c'est du foutage de gueule. Il faut se concentrer sur un report, au moins deux mois. Un mois et demi, pour finir le travail du contentieux, et puis en parallèlement, faire le travail sur le dialogue politique pour que les textes de la CEI soient modifiés. Oui. Donc voilà un peu le souci. Je finis en disant,
Pourquoi il faut, comment dire ça, utiliser ce chemin-là? Parce que le chemin de la contestation n'a de sens que si tu as des moyens coercitifs. Oui. Si tu n'as aucun moyen coercitif, tu as beau te plaindre, tu peux crier sur tous les plateaux, tu peux inciter qui tu veux, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça va pas aller quelque part. Ça ne va quelque part que si tu as un moyen coercitif, c'est-à-dire si vous faites pas ça là, on va dans la rue. Si vous faites pas ça là, on va envahir le palais présidentiel avec machin. Or ça là, on sait pas faire en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est les Sénégalais qui nous ont montré la route, mais nous on n'est pas encore arrivé là-bas parce que ils ont d'autres moyens de nous faire fuir. Hein, en plus de l'armée, ils ont autre chose. Hein, comme on est en public là, on va pas. Donc du coup, on n'a pas ces moyens coercitifs. Donc il faut être plus malin. Il faut essayer de voir comment, dans le dialogue politique, on peut intéresser tous les médias internationaux pour dire voilà, nous sommes d'accord pour aller aux élections, mais voilà, ce point d'article de la CEI nous empêche de nettoyer le fichier parce que le fichier est très sale, mais toutes les saletés là sont protégés par cet article qui dit qu'on peut pas radier les gens qui ont fait des erreurs sur leurs inscriptions. Donc voilà un peu ce que je voulais dire dessus. D'accord. Maître Zoku. Oui, merci le frère Esso. Moi, je voudrais relever quelque chose. J'ai suivi un peu le passage des Cuibières sur NCI. J'ai suivi aussi ton intervention. Et après cela, j'ai approché un juriste pour avoir ses explications. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau? On a eu affaire à un Cuibière bon orateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait manier la langue. Et en face de lui, toi, tu ripostais par des remarques de bon sens et tu essayais de dérouler une contradiction à base de raisonnement logique. Moi, les éclairages que j'ai eus du juriste, de ces éclairages-là, il savait que tout ce qu'il a dit est faux. Mais comme il manie des éléments de droit, il s'appuie sur des définitions de termes juridiques, il s'appuie sur la citation des textes de loi. Toi, en face, tu ne t'es pas armé parce que tu n'es pas juriste, tu ne sais pas avec quel article le contredit. Je donne un exemple simple. On nous fait sortir 2 millions de cas d'électeurs dont le père et la mère sont inconnus. Là, on vient de me faire parvenir un article de loi qui dit que sur la liste électorale, voilà les renseignements qui doivent figurer. Nom du père, nom de la mère, lieu de naissance. Donc, on ne peut pas faire figurer des gens dont le nom du père n'est pas mentionné, dont le nom de la mère n'est pas mentionné. Donc, je veux dire que Cuibière, il allait vous embrouiller là-bas. Vous n'êtes pas juriste. C'est comme toi, tu as dû faire une spécialité, je crois, en pharmacie, si je ne me trompe pas. Moi, même si je constate quelque chose qui est faux et puis je me mets devant toi dans une posture de contradiction des arguments, mais tu as tous les éléments pour m'embrouiller. Tu vas faire sortir des formules de molécules ou bien tu discutes avec un économiste. C'est ce que Ouattara fait. Quand on lui dit que non, la croissance, on n'y sent pas les effets, mais ils amènent sur le plateau des gens qui ont fait des études d'économie, qui vont manier les concepts de PIB, de quoi. Et puis bon, en face, tu ne peux pas trop répliquer. Dans la forme, tu ne peux pas répliquer. C'est ce que Cuibière a fait. Mais, je te concède quelque chose, c'est qu'il ne faut pas cibler uniquement la tête de la CEI, c'est-à-dire Cuibière. Non, c'est tout le système qui est mauvais. Et comme on le dit, le dialogue politique a un rôle à jouer. Voilà, le dialogue politique a un rôle à jouer. Là, je suis d'accord avec toi, mais le système même, il est mauvais. C'est-à-dire, on peut même parler même du traitement même du président de la CEI, qui, au niveau des cérémonies officielles, dans le rang protocolaire, il est traité comme un président d'institution. Alors que la CEI, d'après les explications, n'est pas une institution. Voilà, de juristes et comment on appelle de juristes de haut niveau, chevronnés, voilà, des juristes chevronnés. La CEI n'est pas une institution parce que pour qu'une structure d'État soit une institution, il faut que sa création ait fait l'objet d'une loi organique.
Jusqu'à ce jour, dans les tests ivoiriens, il n'existe aucune loi organique qui crée la CEI. Donc, comment un État peut traiter quelqu'un comme un président d'institution alors qu'il n'en est pas un? Il y a une arrière-pensée cachée. On va le doter de moyens, de prérogatives, de conditions matérielles qui ne relèvent pas en réalité de son rang. Pourquoi? Il y a une arrière-pensée. C'est pour le mettre dans le confort, pour lui faire faire tout ce qu'on veut faire. Là, j'ai besoin. Il faut changer le système. C'est tout à pas, fait. Alors, pourquoi... c'est pas. Oui, vas-y, vas-y. Oui, alors par rapport à ce que tu dis, je voulais juste préciser quelque chose. Je suis entièrement d'accord. Ce que j'ai expliqué aux gens, c'est que. Comment dire Hubert Tout l'intérêt. Tout l'intérêt de mon passage sur NCI en face de Cuibert, c'était de faire sortir le loup de sa tanière. Oui. En fait, je me suis donné volontairement en sacrifice. Oui. C'est vraiment le mouton de sacrifice, parce que tu peux pas aller sur un plateau en face d'un juriste alors que tu n'as pas les arguments. Voilà. Voilà. Moi, je suis ingénieur en pharmacotechnie et industriel. C'est-à-dire que je construis, je fabrique les médicaments. Voilà. Alors effectivement, si en face de moi, j'ai un menuisier, ou bien même un juriste, si on veut parler de comment on construit de l'aspirine, ou bien machin, je le détruis. Et quel que soit ce qu'il veut, je lui donne tous les arguments que je peux. Donc, voilà. Je ne pouvais pas, en tant que juriste, défendre, enfin, en tout cas, rentrer dans les 22 mètres du monsieur. Par contre, mon rôle, c'était d'abord, dans un premier temps, c'est pour ça que je lui ai fait une adresse directe, dans un premier temps, l'adoucir, puisqu'il était vindicatif. Il fallait qu'on l'adoucisse d'abord, pour qu'il soit ouvert et qu'on puisse frapper. Et puis derrière, qu'il sorte tous ses arguments. Donc, dès le moment où il a sorti tous ses arguments, le lendemain de mon passage télé, j'ai publié une demande de débat, où j'ai mis les noms des personnes qui devaient intervenir sur le débat. J'ai encore la publication. Il me semble que j'ai vu ça. Et même en nota bene, je me suis ridiculisé moi-même. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, nous sommes allés en sacrifice comme des moutons pour qu'on puisse nous découper. Mais au moins, ça permet à celui qui vient de découper là, de sortir de son trou. Et il est sorti de son trou. Il a donné tous les articles qui étaient en sa possession pour qu'il soit défendu. Donc maintenant, c'est aux juristes de l'opposition de saisir cette opportunité. Monsieur Esso allait se sacrifier, tout le monde est en train de l'insulter, tout le monde est en train de dire tu vaux rien. J'ai dit tout ça là, c'est pas grave. Oui, je vaux rien, c'est pas grave. Ce qui est sûr, nous on travaille pour le pays. Donc on vous a fait sortir le monsieur. Vous connaissez maintenant la taille, l'épaisseur, la longueur de ses crocs. Si vous avez la taille, l'épaisseur, la longueur de ses crocs, c'est à vous maintenant de travailler sur tous les points. Il vous suffit de repasser la vidéo et vous voyez tout ce qu'il a répondu. Et vous travaillez pendant 2 semaines. Quand vous êtes prêt, maître Abiba, maître Blessy Chrysostome, et on peut mettre Aboulaye Mérité dessus pour dire que bon, on a équilibré, il y a RHDP aussi. Les 3 maîtres sont là, on met un constitutionnaliste pour compléter le tout et on met Cuibert en face. Et là, effectivement, il ne pourra pas se cacher derrière ces textes parce qu'en face de lui, il y aura des experts juridiques. Et là, malheureusement, comme on est en Côte d'Ivoire, malheureusement, les idées qui viennent d'autres personnes ou bien publiquement comme ça, ben, on s'amuse avec ça. Alors que, après ma proposition, vous auriez pu faire une réunion au PDCI, une réunion au PPACI pour dire, bon, le monsieur Esso, là, il vient de nous donner une indication. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on ne va pas convoquer un débat avec M. Cuibert, parce que c'est ça qui reste. Il ne reste que ça. Les Ivoiriens attendent que ça. Après notre passage à NCI, Cuibert est également parti à la RTI tout seul. C'est pas de ça qu'on a besoin. Oui. On a besoin d'un débat contradictoire juridique. Oui, tout à fait. Pour faire taire tout le monde. Parce que comme je l'ai dit même sur le plateau, effectivement, quand on ne sait pas, il y a 30 millions de juristes en Côte d'Ivoire. C'est comme quand on regarde un match de foot. Il y a 30 millions, il y a 1 milliard d'entraîneurs. Tout le monde est entraîneur. Oui. Donc, à un moment, il faut qu'on soit sérieux. Oui. À un moment, on s'assoit et puis on met les experts face à face et puis ils discutent. Moi, je vous ai donné le chemin.
puisque vous connaissez toutes les armes du monsieur, toutes les armes juridiques du monsieur, vous les connaissez. C'est pour ça que moi, je ne fais plus aucun débat sur les réseaux sociaux, sur la CEI. Parce que la réponse que j'ai eue de Kuber, ça me suffit largement pour comprendre que tant qu'on n'attaque pas juridiquement, on ne peut pas le toucher. Tant qu'on l'attaque, ouais. Tant qu'il n'y a pas des experts juridiques qui l'attaquent, tout ce que vous allez raconter, ça ne sert strictement à rien. Et voilà. Je te dis, hein, le jour, on est quand on est 13, on est 13 juin, avant la fin du mois, le jour où les partis politiques d'opposition auront accepté de saisir cette opportunité d'un débat juridique de 3 heures, notre problème sera terminé. À la fin de ce débat-là, plus personne en Côte d'Ivoire ne parlera de la CEI. Eux-mêmes, ils vont avoir honte si jamais on gagne. Ou alors, si c'est eux qui gagnent, l'opposition ne doit plus parler sur la CEI. Et d'ailleurs, après ce débat-là, soit la CEI est couchée, et puis là, on n'a plus besoin de bavarder, puisque tout le monde entier a vu le débat. Donc, c'est eux qui vont faire ce qu'il y a à faire pour qu'ils reviennent dans le droit. Soit alors, eux, ils ont gagné, et puis là, l'opposition ne peut plus à parler. Voilà. L'opposition se tait, et puis on avance. Voilà. Sinon, on va faire des débats tous les jours. Chacun va faire un petit débat. Oui. Il y aurait une web TV à gauche. T'entends, ah oui, il y avait 2 millions de machins. Ah, on n'a pas le droit d'inscrire le papa, la maman. Là, la solution à ça, c'est Kuiber, Abiba, Touré, Blessy Chrysostome. Bravo Jean-Yves. Je tiens absolument à dire quelque chose à ce niveau-là. Désolé de te couper la parole, mais je veux profiter de cette adresse aujourd'hui à nos amis, à nos frères, à nos sœurs ivoiriens, ivoiriennes qui sont sur ce live. Et pour ceux qui vont regarder le live plus tard, sincèrement, les gars, on est entre nous. Hein. Quand je dis on est entre excuse-moi, s'il te plaît. Oui. Juste une phrase. Une phrase que je veux rajouter, je ne te coupe pas. Oui. N'oublions pas que la fièvre du débat est en train de passer. La fièvre de cette histoire de CEI est en train de passer. C'est pendant qu'elle est malade là qu'il faut faire ce débat. Là. Oui. C'est juste ça que je voulais. Oui. Donc, je disais que de façon solennelle, aujourd'hui, sincèrement, on n'est pas la ETI, on n'est pas NCI, on n'est pas, Live TV, on n'est pas toutes ces grandes chaînes de télévision, on est sur ma petite page sur Facebook, mais ce n'est pas une petite page aussi à négliger. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont très bien placés, qui regardent et qui suivent ce qui se passe sur cette page-là. Pas pour ma personne, mais pour la qualité des émissions, pour la qualité des personnages qui viennent parler et surtout pour la crédibilité de ce que nous disons ici. Alors, il est important que je lance un appel aujourd'hui à ces partis politiques-là qui sont le PDCI-RTA et le PPACI. Le PPACI a apparemment, ils ont commencé à faire leur part. Mais comme d'habitude, il y a toujours des gens qui s'en vont sur le terrain, tout seuls, en ordre dispersé. Ça ne fait pas le job. C'est vrai que ça dénonce, ça explique les choses, mais ça reste toujours à un niveau de basse-cour où on discute, mais à la finalité. Là. Les gens du gouvernement font ce qu'ils ont envie de faire. Et on s'en va doucement, le temps en train de passer chaque jour, vers ce point de non-retour qui va faire que on ne sait pas ce qui va se passer demain. Peut-être que il y a des gens de l'opposition qui sont en train de s'armer actuellement, qui sont en train d'acheter des armes, qui sont en train de préparer leur rébellion, qui sont en train de préparer leurs mercenaires, qui sont en train de préparer quelque chose pour tomber sur la Côte d'Ivoire un matin et puis créer la désolation. Peut-être que le gouvernement aussi, ils sont en train de se préparer, faire leur truc aussi de leur côté, et la finalité, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va payer tout ça. On ne veut pas de tout ça. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un petit morceau d'institution, ou bien, je sais pas, de quelque chose qui peut départager les gens d'une façon claire, nette et précise, si toutes les choses sont faites avec la bonne volonté pour que vraiment les gens soient justes, les gens soient honnêtes, les gens soient corrects et que quand on va faire le décompte à partir des élections, celui qui a gagné a gagné, celui qui a perdu a perdu. J'appelle le PDCI-RDA et le PPACI à se mettre ensemble. Comme mon frère Jean-Yves l'a dit, la proposition qu'il vient de faire, là, je ne sais pas s'il y en a une meilleure, il n'y en a pas, je ne crois pas. En tout cas, moi personnellement, je ne pense pas. Que
sur le plan juridique. Et ça, ce que tu viens de dire, Jean-Yves, ce que tu viens de dire là, on en a parlé avec des amis il y a peut-être 2-3 ans, avec un grand frère qui m'a dit, et même avec le président Mamadou Koulibaly, j'ai parlé avec lui au téléphone, il m'a dit qu'il est temps maintenant que les Ivoiriens, les Africains en général, puissent attaquer le colon sur le plan juridique par rapport à tout ce qui se passe. C'est le plan juridique, parce que les gens prennent les lois, les articles de loi qu'eux-mêmes ils fabriquent, ils font truc pour pouvoir nous avoir. À chaque fois, c'est la même chose. Même cette histoire de colonisation, domination, et ceci et cela, c'est toujours à partir des articles, des lois qu'ils cachent quelque part, qui disent que oui, la Côte d'Ivoire, c'est la chasse gardée de la France, le Mali, c'est la chasse gardée de la France, et ceci, cela, parce que par rapport à tout ce qui a été signé au début, quand les gars partageaient l'Afrique et tout ça, là, les lois disent que ceci, disent que cela. C'est maintenant là que des juristes doivent se mettre en ordre de bataille et attaquer toutes ces lois, ces articles, ces codes et ces trucs que les gars ont fait pour pouvoir les démonter un à un par rapport à la vie que nous menons aujourd'hui. Même tout si cela fait jurisprudence, par rapport à nos vies d'aujourd'hui, là, on doit prouver par A plus B qu'on n'est plus en 1960. Donc par rapport à ça, le monopole de ceci, le monopole de cela, et ceci, cela, ça n'a plus lieu, ça n'a plus de valeur. On n'est pas la même démographie qu'à l'époque. Pardon? Si tu permets, je vais juste dire quelque chose. Oui. Je te coupe un peu, mais tu vas continuer. Oui. Parce que je lis en même temps les commentaires pendant que tu es en train de parler. Oui. Oui. Et donc, il y a un commentaire auquel il faut que je réponde rapidement, parce que oui, c'est important. Oui. Quelqu'un a marqué pourquoi sur le plateau, on n'envoie pas un homme qui maîtrise le droit qui va contredire M. Cubert. Il faut que j'explique un peu comment ça se passe. Sur le plateau merci. De NCI. Merci beaucoup. Voilà. Sur le plateau de NCI, Ali Dirasouba ou Evelyne Débat contactent toujours les partis politiques au départ. Ils mettent un sujet et puis ils appellent le PDCI, ils appellent le PPACI. Lorsqu'ils ont invité Cubert, ils ont invité le PPACI et le PPACI a répondu que il n'était pas prêt et qu'il ne pouvait pas participer à ce débat et que les conditions n'étaient pas réunies. Bon, ils ont appelé le PDCI a dit non, ils ne sont pas intéressés. Ensuite, quand ils font ça, ils cherchent maintenant dans les différentes analyses politiques qu'ils connaissent. Bien sûr, leurs débatteurs habituels, Kuyo, Banga, Bato, et puis Bangali. Et puis derrière, maintenant, pour la cinquième place, ils regardent dans leur plateau qu'ils connaissent certains analystes qui ont voix de chapitre sur les réseaux sociaux ou sur la place publique, dont moi je fais partie. Donc ils m'appellent, ils me disent précisément, on veut t'inviter à un débat où Cubert doit s'exprimer, voilà le sujet. Mais on te précise que le PDCI a refusé de venir et que le PPACI a dit qu'il ne pouvait pas machin. Donc, qu'est-ce que tu en penses? J'ai maintenant 10 minutes ou 15 minutes pour donner une réponse. Soit je me dis, ah, moi, j'y vais pas. Et puis, du coup, peut-être qu'ils ne vont pas trouver la cinquième personne et puis le débat sera biaisé. Soit alors je dis, j'y vais pour pouvoir inviter le Cubert à s'exprimer. Oui. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est pas que le PDCI n'a pas d'homme de droit. Le PDCI n'a pas voulu participer au débat. Donc moi, j'ai pris sur moi, avec mes faiblesses juridiques, parce qu'il faut le dire, et je suis pas un juriste, j'ai pris sur moi de pouvoir faire sortir le monsieur pour qu'il donne tous ses arguments. Donc voilà un peu comment il faut restructurer la chose. D'accord. Le débat qui a été proposé, c'est un premier pas. Un premier pas dans lequel il fallait rentrer. Et moi, volontairement, j'y suis allé pour pouvoir rentrer dans ce premier pas. Pour justement permettre un second pas que je propose actuellement en disant, maintenant là, tous les arguments ont été dévoilés. C'est-à-dire que pendant que je parle, j'ai des frissons. Je sais pas. Il y a un combat. Un monstre qui est en face, qui est en train de frapper tout le monde. Mais il frappe tout le monde, là. Il ne montre pas ses armes. Il n'a jamais montré ses armes. Il frappe seulement. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui vient et dit, bon, tu as frappé tout le monde, là, mais nous, on va essayer de faire encore un nouveau combat et puis on va te titiller pour que tu sortes toutes tes armes. Et on le titille. Il y a Kouaou qui était à côté de moi qui l'a titillé. Il y a moi qui suis rentré dans le côté psychologique pour qu'il se, comment on appelle ça,
pour qui ça pèse, hein, pour qu'on puisse mieux frapper. Et puis donc, grâce à ça, le monstre en question, là, il sort maintenant tous ses couteaux. On a vu tous les couteaux, les épées, les machettes, il a tout sorti. Mais quand c'est comme ça, là, il ne faut plus attendre. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que Kluivert dise de plus que ce qu'il a dit depuis les deux débats qu'il a fait? Il a tout sorti. Vous avez tout en main pour le contre-attaquer. Donc, si vous ne le contre-attaquez pas, c'est que quelque part, vous lui donnez raison. Vous dites, que, ah ben, ce qu'il a dit, moi, je peux pas. Voilà. Si vous êtes sûr que vos éléments juridiques vont le déstabiliser, convoquez publiquement dès maintenant un débat. Je vous jure que je vais mettre tout mon réseau en place pour que Ali Dirassouba accepte, pour que même, je connais même les présentateurs de Live TV et tout, hein. Je peux tout mettre en œuvre pour que la demande de l'opposition pour un débat contre Kluivert soit acceptée. Et je vais utiliser tout mon réseau Facebook, Twitter, TikTok et compagnie pour faire honte à la CEI pour dire que voilà, on vous a demandé un débat, vous fuyez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Est-ce que le gouvernement va accepter? Et on s'en fout de ça. Le gouvernement n'a peur que d'une chose, c'est le bruit. Et je sais que toi, Arsène, tu es fort dans le bruit. Moi aussi, je suis fort dans le bruit. On a d'autres amis qui sont forts dans le bruit. Si on est convaincu que nos partis politiques d'opposition sont prêts pour un débat, crois-moi que la force du bruit qu'on va mettre en place là, le gouvernement va reculer, il va susciter le débat. Mais sommes-nous sûrs que nos juristes de l'opposition sont prêts à faire ce débat? C'est ça la vraie question. Oui. Excusez-moi. Le frère Esso, est-ce que tu as eu la confirmation auprès de ta hiérarchie qu'ils ont reçu l'invitation à participer à l'émission et qu'ils l'ont déclinée? Allô? Allô? Oui. Est-ce que quoi? Excuse-moi. Est-ce que tu as eu la confirmation auprès de ta hiérarchie au niveau du parti que NCI leur a envoyé en bonne et due forme une invitation à participer à l'émission, invitation qu'ils ont déclinée? Est-ce que tu as eu la confirmation auprès des instances du parti? Je n'ai pas eu cette confirmation, mon frère Soukou, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est plus au niveau de savoir s'il y a confirmation ou pas. C'est celui qui a parlé en premier qui a raison. Dans la communication, dans les médias, là. Celui qui a parlé en premier a raison. Oui. Donc, s'il a parlé que toi, tu n'es pas venu parler aussi pour dire c'est faux, tu n'as pas réagi, l'opinion publique va retenir que c'est lui qui a raison. Non, il n'y a pas de problème. Tu as raison, mais je veux dire que on se rejoint. Ça veut dire que ce que je dis là, ça ne rentre pas en conflit avec toi. On associe nos idées pour que notre même but soit atteint. Parce que tu parles de communication. Moi, en tant qu'observateur, je vois que ce régime-là, sur le plan de la communication, est très manipulateur. Tu vois? Donc, il faut pas prendre pour agent compte. C'est-à-dire, il faut vérifier tout ce qu'ils disent. Parce que eux, ils ne vivent que de la communication pour, à l'international, présenter une certaine image. Donc, moi, tout ce qu'ils disent là, j'ai tendance à me renseigner pour voir si c'est effectivement vrai. Parce que, on est sous le règne des manipulateurs. Hein. Bon, je donne un exemple simple pour faire une digression. Oui, quand Blaise Goudé s'exprimait, le frère Blaise Goudé, contre qui je n'ai rien de personnel, mais je fais une analyse factuelle. Quand Blaise Goudé s'exprimait sur le fait que depuis, il n'est pas encore allé rencontrer Laurent Gbagbo, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, j'ai fait ma demande d'audience, tant, j'attends qu'il me reçoive, mais maintenant, puisque je suis président d'un parti politique, bon, il n'est plus question de me recevoir comme son petit, non, les données ont changé et tout. Mais le lendemain, Katina a riposté pour dire, mais il est étonné que Blaise s'exprime de la sorte que dans les registres du parti qu'il a consulté, dans les documents officiels, il n'existe aucune demande d'audience. Il a simplement dit que il a existé un papier qui l'informait de son arrivée à l'aéroport, ce à quoi le PPACI a répondu en envoyant une délégation à l'aéroport le jour de son arrivée. Mais demande formelle adressée au PPACI pour une audience, ça n'existe pas. Donc, méfions-nous de tout ce que les gens disent sur les plateaux. Mais Zoku, tu vois bien que tu me rejoins. Jean, je te rejoins. Maintenant, tu dis bien que le PPACI a répondu. Le PPACI a répondu.
dès le moment où le PPACI répond, toi, tu as l'information et tu sais que Blé Goudé racontait n'importe quoi. Mais quand Ali Diarato m'a dit qu'il a invité tout le monde, il y a une seule personne qui a répondu, c'est le PPACI. Ils ont dit non, on n'a pas eu l'invitation, machin. Le PPACI n'a rien. Le PDCI n'a rien. Abiba a dit hier que ils n'ont pas reçu d'invitation. Tu vois. Voilà. Donc il faut que le PDCI réponde. Oui. C'est pas à moi d'aller chercher l'information pour savoir s'ils ont bien reçu l'invitation. Oui. On se bat dans la communication. Oui. Quand tu entends ça, automatiquement tu fais un communiqué. Tu réagis oui. Automatiquement. Oui, je vois. Tu n'as pas réagi. La question que tu me poses, ça va rester en nous. Ça va rester en nous. Je vais aller me renseigner. Est-ce que vous avez bien reçu? Ça va rester en quatre personnes. Pourquoi ce soit public, tu fais un communiqué. Nous avons entendu à la dernière émission que nous avons été invités sur le plateau de NCI. C'est faux et archi-faux que tant. Terminé. Et nous, on communique dessus. Oui. Nous, on relaie l'information. Oui. Le frère Esso, vraiment, merci. En fait, c'est vrai, tu as raison. On dit la même chose. Et ton, on a l'invité qu'elle a, hein. Oui, d'accord. Ta réponse est indiscutable. Donc, et Boakwasi, si je ne me trompe pas, le PPACI a réagi pour dire qu'ils n'ont pas reçu d'invitation, c'est ça? Oui. Ok, non. So, je n'ai pas grand chose à dire, on dit la même chose. Ce que tu dis est dans la droite ligne du combat. El Guerrero est là, je crois, depuis un bon moment. Le frère, tu nous excuses, j'avais besoin d'éclaircissement. Tu peux y aller pour ta prise de parole, s'il te plaît. Soyez salués. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Voilà, je tiens à remercier tout le monde, les panélistes, en particulier le doyen Bois, ici présent. J'aimerais intervenir par rapport à la prise de parole du camarade. Moi, je suis socialiste, je suis de la gauche, donc c'est comme ça qu'on s'appelle, du camarade Esso, qui est une personne que j'admire. Au fait, je pense qu'on ne doit pas limiter le problème qui se passe présentement au sujet de toute la fraude qu'il y a sur la liste électorale là, à un simple débat. L'opinion publique a été informée. L'opinion publique, bon, en tout cas pour ceux qui sont lucides, a pris connaissance de toute cette supercherie-là qu'il y a autour de cette liste électorale provisoire qui a été publiée. Et donc, les débats-là, on connaît le RHDP. Soyons honnêtes, M. Culbert, il n'est rien dans ce système-là. Il n'est rien du tout parce que il est juste un pion. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Il est juste un pion du système Ouattara. Bon, regardez un peu qu'en 2020, M. Ouattara a dit publiquement qu'il n'allait pas se présenter aux élections présidentielles. Oui. Et suite au décès d'Amadou Gon Coulibaly, son premier ministre, paix à son âme, il se présente pour dire que en raison de ce malheur-là, lui... Cas de force majeure. Oui, en raison de ce cas de force majeure, là, oui, il allait se présenter à nouveau. M. Ouattara, c'est un anarchiste. Donc, c'est un anarchiste, c'est pas quelqu'un qu'on peut convaincre, c'est pas quelqu'un avec qui on va se limiter à débattre. Avec M. Ouattara, il faut agir. Maintenant, même si on part du principe qu'on doit être trop légaliste, et ainsi de suite, qu'est-ce que l'article 7 du Code électoral nous dit? Je l'ai en face de moi, je vais vous le lire. La liste électorale, article 7. La liste électorale contient des éléments d'identification des électeurs, à savoir nom et prénom de l'électeur, sexe, profession, domicile, nom et prénom du père, date et lieu de naissance, nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance. Même moi-même qui vous parle là, j'ai pris le temps de vérifier les informations. Tous ces éléments-là ne figurent pas dans le fichier électoral, hein, il n'y a ni le nom de mon père, ni le nom de ma mère. Donc, en gros, je fais partie de ceux qu'on peut considérer comme des cas même de fraude. Et nous sommes nombreux comme ça. Donc, quand Maître Abiba le dit, que ça soit sur sa page Facebook, on ne va pas banaliser le canal. Je pense que elle met en relief un problème important, à savoir, qu'on doit se comporter vraiment comme des personnes civilisées, des personnes respectueuses du droit. C'est ce que Maître Abiba vient nous faire comprendre. Et ça là, on n'a pas besoin d'aller débattre avec M. Culbert. Même un élève de terminal, quand il finit de lire cet article-là, du code électoral, je dis bien du code électoral, il n'a pas besoin d'écouter les incantations de M. Culbert. M. Culbert est dans le faux. Donc, il n'y a
pas lui-même de susciter une confrontation des juristes, de l'opposition avec M. Cuthbert. Et lui-même, il a dit, M. Cuthbert, il a dit clairement que ce problème-là est politique. Ça veut dire que c'est au-dessus de lui, ses compétences. Lorsqu'il est dit, il nous fait savoir qu'il est incompétent et qu'il est manipulé. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de mettre à nu la malversation du régime Ouattara, qui a tout de même utilisé 12 milliards. 12 milliards, c'est quand même une somme importante. Nous sommes dans un pays où le SMIC est de 75 000 francs. Sont sérieux. 12 milliards pour actualiser, entre guillemets, parce que ce n'est pas respecté partout, hein. Oui, actualiser la liste électorale. Mais lorsqu'on regarde tous ces cas de fraude-là, quel est le travail qui a été fait avec ces 12 milliards-là? Donc, nous le faisons pour d'abord montrer que M. Cuthbert et la CEI ont très mal fait leur travail. Et donc, M. Cuthbert doit démissionner. C'est ce qu'on sait, le travail que le PPACI est en train de faire. Donc là, nous informons l'opinion nationale et internationale. Parce que demain, lorsqu'on va réclamer la démission de M. Cuthbert, tout le monde ne pourra pas dire que nous nous inscrivons dans le faux et que nous voulons susciter des troubles. Ça, c'est la première démarche que nous sommes en train d'entreprendre en ce qui concerne la démission de M. Cuthbert. En ce qui concerne M. Ouattara, nous sommes en train de montrer que M. Ouattara nomme des personnes, sachant qu'elles sont incompétentes, et ces personnes-là travaillent, ces personnes qui sont supposées être impartiales, parce qu'il s'agit quand même d'une élection. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, il y a des morts, et ça crée des élections générales, qui créent des conflits. Donc, nous montrons à la communauté internationale que M. Ouattara est à la base de tous ces conflits électoraux et post-électoraux qu'il y a en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le message que nous adressons à la communauté internationale. En ce qui concerne le peuple, nous passons, le président Laurent Gbagbo a demandé à la direction du parti, du PPACI, d'aller vers les populations pour leur porter ce message-là. Pas pour seulement lui, sa personne qui a été radiée de la liste électorale, parce que ce problème-là sera réglé, soyez rassurés, mais pour montrer qu'il y a une supercherie, une malversation qui est en marche et qui est orchestrée par le régime Ouattara. Parce qu'à tout moment, nous ne sommes pas des personnes belliqueuses, nous ne sommes pas des barbares, mais à tout moment, nous pouvons demander aux populations de réclamer leurs droits. Parce que ces 12 milliards-là, c'est l'argent du contribuable qui a été utilisé. Et il faudrait que notre peuple soit sensibilisé, soit informé, et qu'il faudrait qu'on suscite une conscience, on va dire, en termes d'émancipation, pour que notre peuple puisse prendre ses responsabilités au moment opportun. Et c'est ce travail-là que nous faisons. C'est-à-dire que là où nous avons mis les pieds, là, il n'est pas simplement de dire allons aux élections à tout prix et qu'on va entreprendre une politique de la chaise vide. Non. Nous sommes en train d'entreprendre une démarche minutieuse pour qu'à la fin de tout ça, là, les Ivoiriens puissent comprendre que nous sommes dans un système de caporalisation de Ouattara et qu'il ne serait pas agir de trop que de sortir dans les rues s'il le faut pour dire à un certain moment, M. Ouattara, arrêtez. Nous ne sommes pas encore... Oui. Voilà, justement, nous ne sommes pas encore au stade des élections présidentielles, les élections les plus importantes de la nation. Mais au niveau des élections régionales, là, nous souhaitons que ce problème-là soit réglé une fois pour de bon, afin que en 2025, les élections puissent se passer dans de bonnes conditions. C'était là mon intervention. Vraiment. Mais je voudrais rebondir rapidement sur ce qu'il vient de dire par rapport aux élections présidentielles. Je voudrais vraiment rappeler aux Ivoiriens, c'est très important. C'est hyper important de comprendre que les élections présidentielles qui vont venir là dépendent des élections régionales et municipales qui vont se faire maintenant. Ça là, mettez ça bien dans vos têtes. Parce que toutes les mairies, toutes les régions vont concourir à la préparation de l'élection de 2025. Ça veut dire que toutes les mairies qui seront prises par le RHDP, les gars, ils vont travailler pour que, quand il y aura des élections, toutes ces mairies-là, toutes ces régions-là, au niveau du vote, si rien n'est réglé au niveau de la CEI, tout se passe correctement pour le candidat qui sera là pour le RHDP. Ça, là, si vous n'avez pas compris ça, là, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est mon frère, pas la peine. Mon frère, voilà l'importance de ce qui arrive. Oui, mon frère Jean-Yves. Oui. Et si tu permets, pendant que c'est chaud, il faut que j'apporte une réponse au précédent intervenant.
Parce que là où tu t'en vas, là, ça va diluer le truc, et puis ensuite, derrière, on va oublier ce qu'il a dit. Oui. Donc, permets-moi de... Voilà, de... Non, vas-y, vas-y. Alors, merci infiniment pour le dernier intervenant. Merci infiniment pour ce que tu as dit. Il y a une chose qu'il faut retenir qui est très importante. On peut passer tout notre temps à dénoncer. Ça, si c'est pour dénoncer, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quelle est la suite quand on dénonce? J'ai vu que dans ton propos, tu as donné une petite solution, aller dans la rue, etc. Bon, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et puis, de toute façon, moi, je n'ai jamais conseillé aux gens d'aller dans la rue. Je n'ai pas envie qu'on vienne me chercher demain à la maison pour me dire que on me met un maca pour incitation à la révolte publique. Il ne faut pas oublier une chose. Nous, on vit en Côte d'Ivoire, on est là. Il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Voilà. Par contre, tant que nous ne faisons pas un débat, voilà pourquoi le mot débat est important. Tant que nous ne faisons pas un débat, nous ne pourrons pas mettre aux yeux de toute la communauté nationale et internationale la supercherie de cette CEI. On aura beau, chacun dans son camp, dire « j'ai raison ». Habiba et le PPACI avec le PDCI vont dire « nous avons raison, il y a 4 millions de fraudeurs sur la liste électorale ». Du côté du RHDP, ils vont dire « nous avons raison, il n'y a pas de fraudeurs ». Parce que dans nos textes, on a dit que ceci, on a dit que quand on fait une erreur d'inscription, on ne peut pas radier. Chacun va camper dans sa position et il n'y aura pas cette flamme, il n'y aura pas cette preuve indiscutable parce qu'il n'y aura pas eu de débat. C'est pour ça que pour moi, le débat est central. C'est à partir du débat que le sympathisant alpha, celui qui n'est pas militant d'un parti politique, donc objectif, le sympathisant alpha de la société civile va se forger une opinion sur qui a raison ou bien qui a tort. Toi, en tant que socialiste, mais forcément, tu écoutes les gens de ton camp et tu es complètement persuadé de leur raison. Mais les gens qui sont RDR, là, en tant que RDR, en tant que RHDP, ils sont tous d'accord avec ce que la CEI dit parce qu'elle est dans leur camp. Donc, chacun est dans son plan, et puis maintenant, on attend le fight. Moi, ce que je propose, c'est que chacun s'apaise, chacun s'est armé de ses arguments, et que maintenant, il y ait une confrontation. Et la seule image de la confrontation, c'est un débat public, un débat ouvert, un débat télé, où chacun est mis devant sa responsabilité. Quand il y en a un qui dit A, l'autre dit ton A, là, il est faux, parce que selon le texte de temps en temps, c'est B, il fallait prendre. Et tout ça, là, ce n'est que juridique. Celui qui est en face, il dit, bon, ton B que tu as pris là, en 1915, il y a jurisprudence parce que ils font ce débat. Ils font ce débat. Et à la fin du débat, crois-moi, les choses vont changer parce que nous sommes des influenceurs. Enfin, j'aime pas le terme influenceur, nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience. Des citoyens donc, concernés. Voilà. Moi, j'appelle ça des citoyens concernés. Exactement. Donc, à partir de ce débat, c'est maintenant que nous allons créer les capsules TikTok, les capsules temps, on va prendre tous les morceaux du débat pour rentrer dans la tête des Ivoiriens. Des jeunes. Rentrer dans la tête de des jeunes, de l'opinion nationale, internationale, avec des arguments. Cette fois-ci, on ne dira pas, Maître Habiba a dit qu'il y avait 2 millions de machins. On ne sait pas ça qu'on va dire. On va dire, lorsque on a dit qu'il y avait 2 millions, voilà ce que l'autre a répondu, et puis voilà ce qu'on lui a répondu. Donc il a tort. Que voilà, voilà, voilà. Tout sera clair. Bon, si par écoute, chance, si par chance, je finis dessus, si par chance, dans ce débat-là, tu arrives à déstabiliser celui qui est en face, et que celui qui est en face reconnaît qu'effectivement, oui, là, il a déconné, mais tu as tout gagné. Je te précise encore pour t'énerver encore plus. C'est pas 12 milliards hein, que la CEI a 50. Que la CEI a eu, c'est pas 12 milliards. Hein. La CEI a un budget de 57 milliards. 57 milliards, loi de finances du 26 décembre 2022, 57 milliards alloués à la CEI, dont 12 milliards spécialement pour la révision de la liste électorale. Voilà. Donc, quand tu as tous ces éléments-là, même si tu restes dans ton camp pour dire le monsieur a tort, on veut sa démission, il ne va jamais démissionner, il va rester dans ses positions parce qu'il est dans son coin.
personne ne l'attaque. Par contre, tu l'as attaqué frontalement lors d'un débat. Tu rentres même dans cette histoire de 12 milliards. Parce que 12 milliards, si on veut réfléchir bien d'après ce qu'il dit, il a deux courriers à faire. Il a un courrier au ministère de la Justice, un courrier au ministère de l'Intérieur. Et c'est à partir de ces deux courriers qu'il visionne sa liste. Et puis maintenant, il enlève, il ajoute les électeurs en fonction des listes qu'il a eues de ces deux ministères. Donc, si on réfléchit bien, c'est un courrier à 6 milliards. C'est-à-dire, il a fait son travail, c'est deux courriers, il a eu 12 milliards, donc il a fait un courrier à 6 milliards. Moi, je fais mes lettres ouvertes, on ne me donne pas 5 francs. Lui, il a fait une lettre, ça a coûté 6 milliards. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un détail. On lui pose ce genre de questions. Des gens juridiques lui disent, mais t'es 12 milliards, là, voilà, tu dis, tu as envoyé deux lettres. Bon, tu as fait quoi, hein, ça? Il faut qu'on l'attaque frontalement et que les Ivoiriens aient leurs yeux rivés sur ce débat. C'est à partir de ce débat que derrière, on pourra faire le travail. Voilà. Voilà. Merci. Vraiment, merci le frère Esso. Mais je crois que ce que tu dis, mal est incontestable. Ah, Guerrero, elle m'enfile. Guerrero, elle marfileño. Je suis d'accord avec tes préoccupations. Tu t'inscris dans le même combat que nous. Je suis d'accord, tu proposes. Voilà. Mais je voudrais dire que ne minimisons pas la communication. Ne minimisons pas la communication. Tu vois, les peuples qui se sont mobilisés, comme les Maliens, les Sénégalais, mais ce qu'on oublie, c'est que pourquoi ils se sont mobilisés? Mais parce qu'ils sont convaincus. Qu'est-ce qui les a rendus convaincus? Mais c'est la sensibilisation. C'est ça. Un peuple sensibilisé, mais il est prêt, même si ses leaders ne donnent pas de mots d'ordre, lui-même, il est prêt à imaginer des formes d'action parce qu'il est convaincu. On est convaincu par quoi? Par l'argumentation, par la sensibilisation. Au Sénégal, mais il y a des télévisions libres qui apportent la contradiction. Ici, toutes les chaînes sont à la botte du pouvoir. Les pages Facebook, là, n'ont pas la même capacité que des chaînes de télévision qui peuvent inviter des professeurs, des agrégés en trois, tout. Nous, on fait nos petits trucs ici, là, entre les gars, entre nos observations, nos remarques logiques. On n'a pas les moyens constamment de faire venir des sachants de la dimension des professeurs agrégés, de la dimension des avocats. Tu vois déjà que notre capacité de manœuvre, elle est un peu limitée, alors qu'une chaîne de télévision peut faire venir Maître Chrysostome, elle peut faire venir Maître Abiba, elle peut faire venir Hubert Houlaï. Voilà. Donc, ce que Esso dit, c'est vrai. Esso, franchement, il parle lourd. Et il parle vrai. Pourquoi? Un petit exemple. Au temps de Beugri Mambé, quand Beugri Mambé était à la tête de la commission électorale, rappelons-nous comment il était évincé. On lui a reproché l'inscription de près de 500 000 personnes de façon frauduleuse, tout. On l'a mis devant les faits accomplis. Il a tenté de se justifier. On a riposté par des éléments de droit. Finalement, il a reconnu que oui, effectivement, il a fait une erreur sur 500 000 personnes. Donc, indirectement, il a avoué. Tu peux pas faire une erreur sur 500 000 personnes. Donc, tranquillement, Babou a eu l'argument pour l'enlever et puis mettre Youssou Bakayoko sans que cela ait fait des vagues parce que il n'y avait pas à contester. Voilà. Donc, on lui a retiré un moyen d'action par rapport à la fraude. Donc, ce qu'il ne pouvait pas faire par l'argument juridique, ils ont oublié de se dévoiler par la force. En sortant les calages pendant les élections au Nord, en faisant en sorte qu'il n'y a plus d'électeurs que d'inscrits, c'était tellement flagrant que ça ne pouvait plus convaincre les gens. Donc, il ne faut pas minimiser la communication. De la même manière qu'on a convaincu Beugri Mambé et que tout le monde a vu qu'on ne pouvait plus le maintenir à la tête, c'est-à-dire, Esso veut nous amener à quoi? Il faut retirer un à un tous les arguments dont ces gens-là peuvent se servir. De telle sorte que finalement, ils sont obligés maintenant de rentrer dans l'abject, de rentrer dans l'aberration et d'étaler leur peu d'honorabilité. C'est ce que Esso veut. faut pas lui contester ça. La politique, c'est la communication. C'est-à-dire, faut mettre le bonhomme en situation telle que il n'a plus d'argument valable et qu'il se ridiculise totalement et même qu'il fasse honte aux gens de son propre camp. Là, il n'y a plus d'argument pour le supporter. Là, ça valide maintenant les initiatives que les citoyens peuvent prendre. Donc là, déjà,
à travers notre petit niveau, on fait ce qu'on peut. Bois Kwasi nous informe que le PPACD n'ont pas reçu d'invitation. Donc voilà, Alib Diarra Souba, il fait de la manipulation. Et puis, Esso, ce que Esso dit est vrai. Vous n'avez pas reçu d'invitation. Mais précipitez-vous par les canaux de communication et puis dites non, ce qu'il a dit, on conteste. C'est-à-dire, c'est vrai, on n'a pas la force armée pour imposer par la force les choses pendant que les gens manifestent. Mais on a la parole. Si tu n'es pas fort avec les muscles, tu peux être fort par ta bouche. Mais même ta bouche, tu ne peux pas dire que non, c'est faux. On n'a pas été invité. Mais tu laisses le territoire à ton ennemi. Et puisque lui, il est prêt à tout, mais la petite passe que tu lui fais, mais il prend. Il prend. Et puis, il s'en va faire contre-attaque contre toi. Donc, Esso a parfaitement raison. Guerrero El Mafileno a raison parce que c'est un combat qui a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de la communication, il y a l'aspect politique. Tout compte. Oui. Tout compte. Donc là, on voit que moi, j'encourage Esso à continuer ce qu'il fait. Des personnes vont venir relayer le travail qu'il fait. Mais le thème, c'est les Ivoiriens sont-ils inconscients face aux échéances à venir? On peut dire que, sans vouloir forcément insulter les Ivoiriens, on ne va pas dire qu'ils sont inconscients, mais on peut dire qu'ils ne sont pas suffisamment conscients. Ils ne sont pas suffisamment conscients. Un petit élément factuel. SEF a créé une page Facebook et un site. Je vais sur la page. C'est vrai, elle a été créée le 5 juin, donc il y a à peu près, je sais pas, 6 jours. Elle fait déjà 1 million, elle fait déjà 1600 followers. C'est pas mal, en 6 jours, c'est pas mal. Et Habiba a fait son intervention où elle a présenté de façon détaillée, en montrant les listes, tous les cas de personnes de père et de mère inconnues. Elle a fait une intervention de 22 minutes. L'intervention, après 13 heures de parution, fait 8000 vues. Je suis allé sur la page d'un humoriste. Il fait un post après 14 heures de parution qui fait 16 000 vues. Alors, Habiba Dembélé, sa vidéo, après 13 heures, fait 8000 vues. Donc, vous voyez déjà, pour un sujet épineux d'intérêt national qu'elle a fait sortir, après 13 heures, elle n'a que 8000 vues. Alors qu'un humoriste, là, qui a balancé un truc comique, après 14 heures, il a 16000 vues. Ça montre que, quelque part, on peut être méchant, mais on va nous traiter d'homme méchant, mais on n'est pas bien conscient. Les gens devaient aller en masse pour voir les éléments argumentés qu'elle a déroulés pour dire que la CEI fait du faux. Ça devait nous intéresser de façon citoyennement, ça devait nous intéresser. Je n'ai pas dit que l'humour n'a pas son rôle, non. Mais on doit sentir quand même une attention aussi sérieuse sur les choses de l'humour que sur l'avenir de la nation. Là même, vous finissez d'aller rire là-bas, mais après, on doit vous sentir aussi aller visiter la page. Bon, cette opinion-là, vraiment, cette jeunesse-là... Si vous me permettez... Oui, vas-y. Voilà. Attention, il nous reste 15 minutes, hein, donc on va essayer d'être bref. 3 minutes pour voir. D'accord, je me dépêche. Alors. Bon, en ce qui concerne le point que mon doyen Zoko Manadi vient d'aborder, au fait, déjà, quand M. Habiba fait une publication sur Facebook où elle met à nu toutes les malversations, toute cette fraude-là de la CEI, et qu'il y a très peu de personnes qui suivent ça, on ne doit pas être étonné. Voilà. Et c'est ce que je disais. Je disais qu'on ne doit pas se limiter à l'espace, c'est-à-dire aux questions des débats, ainsi de suite. On doit aller dans la rue. Et le PDCI même fait ça. Je prends l'exemple d'un député PDCI, M. Diaoufé. Oui. Il a dit sur sa page, il a dit, concernant la cherté de la vie, là, il a interpellé le président de l'Assemblée nationale. Il a demandé au gouvernement de venir s'expliquer. Et figurez-vous que c'est un an plus tard que ils ont dépêché un membre du gouvernement pour venir au Parlement.
Donc ça, c'est la nature du RHDP. Voilà, ça c'est la nature, c'est-à-dire ils sont dans le mépris, ils sont dans le déni. Je termine en disant que, en ce qui concerne l'insouciance ou l'inconscience des Ivoiriens, je ne dirais pas que les Ivoiriens, c'est vrai, on est oisif, on aime l'oisiveté, on aime s'amuser, mais on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire, c'est, les Ivoiriens sont un peuple inconscient. Voilà, les Ivoiriens ont besoin d'être stimulés. Et c'est le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui par le PPACI. Lorsqu'on demande, par exemple, aux Ivoiriens de se tenir prêts à prendre les rues, là, mais ce n'est pas dans le but d'aller brûler le palais présidentiel. Manifester, là, c'est un droit, c'est inscrit dans la Constitution ivoirienne. Donc, il ne faudrait pas qu'on extrapole des propos. Moi, j'aimerais qu'on comprenne que nous sommes dans un cadre de violation des droits des Ivoiriens, du code électoral. Et donc, il faudrait qu'on prenne toutes nos dispositions pour établir un rapport de force avec M. Ouattara. Parce que M. Ouattara, lorsqu'il se sent faible, lorsqu'il se sent en position de faiblesse, c'est là qu'il peut faire des concessions, c'est là qu'il peut faire des compromis. Sinon, dans le cas contraire, là, il ne le fera jamais. Parce que M. Ouattara, il a dit, on ne va pas prendre, regardez un peu le docteur, comment il s'appelle là, Bakongo, qui est quand même juriste, diplômé, il a un doctorat en droit. Il s'est fait appeler Mouton Dado. Lorsque le référendum a été voté en 2015, il a dit, le président de la République, M. Hassan Dramane Ouattara, ne pouvait pas se présenter à un second mandat. Il a dit clairement. Après, il est revenu, il a rejeté ses propos. Bon, les gens comme ça, là, vous voulez qu'on débatte pendant des mois, là, c'est pour quel résultat? Voilà, donc faisons un travail de communication. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait un travail de communication. Faisons comme on en a fait faire, là. Mais l'objectif final, là, ça sera un rapport de force. Ça sera d'établir un rapport de force avec M. Ouattara. Oui. Yeah. Bon. Oui. Merci. Guerrero El Marfileno, qu'est-ce qu'on retient de ton intervention? On retient de ton intervention que c'est bien de communiquer, mais si on se limite à ça, sans trouver un moyen de contraindre Ouattara, il fera toujours ce qu'il veut. Voilà. Donc, le frère Esso, oui? Oui. Tu as oui. la parole pour... Voilà. Pour, tout à fait. Il nous reste 10 minutes, donc ça va être rapide. Donc j'ai bien entendu ce que Guerrero disait. Hein, je veux juste préciser que l'expérience de la Côte d'Ivoire nous montre que ici en Côte d'Ivoire, on n'est ni au Mali ni au Sénégal. Il nous est très difficile d'aller dans la rue. On a même le pouvoir qui est là. À trouver une solution magique pour faire fuir les Ivoiriens. Hein? Je ne vais pas la citer ici, mais on a un cas, on a vraiment un incroyable talent ici en Côte d'Ivoire. On a quelque chose qui fait que les Ivoiriens, dès qu'ils commencent à aller dans la rue, chacun rentre à la maison. Parce qu'ils nous envoient quelque chose. Voilà, c'est pas l'armée, c'est pas machin. Chacun sait de quoi on parle. Oui. Maintenant, quand on est conscient de ça, on sait très bien que les Ivoiriens, d'abord, un, ils n'iront pas dans la rue parce que chacun a ses problèmes. Et puis deux, tu vas te mettre toi-même dans les problèmes en incitant les gens à aller dans la rue. En deux minutes, on va régler ton problème. On va venir te chercher, on va te mettre où il faut. Donc, il faut pas aller sur ce terrain-là. Moi, je dis une chose. Quand on n'a pas la force, qu'on n'a pas d'armée, si en plus, en communication politique, on n'est pas fort, on a perdu. Tout ce qui nous reste, c'est la communication. C'est la communication qui nous reste. Et pour la communication, il y a des paliers à franchir. La première chose, il faut dénoncer. La deuxième chose, pour choquer les gens, il faut mettre en évidence les erreurs. Comment tu mets en évidence? C'est à travers des confrontations. Tant que tu fais pas de confrontation, tu ne mets pas en évidence. Tu convaincs ton camp, et puis l'autre camp aussi est convaincu, il convainc son camp. Maintenant, pour essayer de mettre en évidence que c'est toi qui as raison, il faut une confrontation. Et la seule confrontation qui est possible, c'est la communication. Qu'on le veuille ou non, qu'on tourne dans tous les sens, tu peux être convaincu avec ton camp que tu as raison. Tu vas être vraiment motivé. Mais tu vas voir que quand tu vas aller dans la rue, vous serez 50, vous serez 100, on va vous envoyer les éléments qu'il faut, vous allez rentrer à la maison. Par contre, quand tu as convaincu par une confrontation, là, tu émeus le peuple, tu touches le peuple. Tu n'as plus besoin d'aller lui dire d'aller quelque part. Lui-même, il sait où il doit aller. Toi, tu te protèges. Toi, tu te protèges.
et le nombre fait tellement peur que le monsieur recule. Parce que voilà, tous les médias sont braqués dessus. Et là, il recule. Et là, c'est plus la même chose. C'est pour ça que je vous dis, armons-nous de toutes nos forces pour qu'au niveau de la communication, ce soit le, c'est pas le seul truc à faire, mais que ce soit le truc principal. La communication. Principal, le début. Moi qui te parle, moi qui te parle, je te dis, et je termine dessus parce que c'est vrai qu'on a, il ne reste plus que 5 minutes. Moi qui te parle, à travers uniquement la communication, j'ai réussi à me faire une petite place dans le monde audiovisuel. Pourquoi on m'invite sur les plateaux? C'est pas parce que je suis inspecteur du PDCI. Il y a beaucoup d'inspecteurs du PDCI, hein. Il y a beaucoup de membres du bureau politique. C'est parce que je suis un inspecteur du PDCI, un membre du bureau politique qui parle, qui s'exprime, qui utilise la communication comme arme. Et des fois, je fais reculer, certaines choses. Ça fait 5 ans que j'écris. La première fois que j'ai fait ma lettre ouverte, c'était en 2017, ma première lettre ouverte, parce qu'il y a eu un accident au carrefour de la vie où un couple s'est fait, comment on appelle ça, il y a un gros camion de goudron chaud qui a fait un accident et qui est tombé sur la voiture du couple. Le père est mort sur le coup et la mère était en train de mourir à l'hôpital. C'est ce jour-là que j'ai fait ma première lettre ouverte. Quand j'ai fait la lettre ouverte à 10h, à 14h, tout le ministère de la Santé était au CHU pour porter secours à la dame. Et j'ai senti que, ah, il y avait une force au niveau de la communication. Donc vraiment, Guerrero, je te dis, hein, concentrons-nous sur la communication et tu vas voir les effets derrière qui vont en découler. Merci, merci beaucoup. Tout à fait vrai ce que tu as dit, mais aussi on va appuyer Guerrero. Oui. En plus de la communication, il y aura d'autres actions. Comme tu le dis, tout ne se dit pas là. Voilà, il y a toujours des formes d'action. Et maintenant, il y a le téléphone portable. Celui-même qui croit venir s'octroyer des choses par la force, il s'expose davantage. Voilà. Il se met en situation d'être filmé, d'être présenté au monde. Et puis, petit à petit, il augmente ses détracteurs. Donc, maintenant, il y a les portables. Même, je vous dis qu'ils ne feront pas forcément ce qu'on pense. Tout est filmé maintenant, hein. Même si ce n'est pas dans l'immédiat, il y a des répercussions après. Ouais. Ta face sale est étalée aux yeux de tout le monde. On filme des gens avec des machettes encadrées par des forces de l'ordre, mais tu ne peux pas prospérer longtemps. Tu ne peux pas indéfiniment présenter cette image-là au monde. Je tiens à préciser que je ne suis dans aucune organisation secrète contre le pouvoir. Hein. Non, il n'y a pas. Je ne suis pas dedans. Non, toi, on te connaît. On te connaît. C'est bien de préciser. Hein. C'est bien de préciser. Non, il faut. En plus, tu es là-bas. Non, je veux simplement dire que. De commenter quelque chose. Non, 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 on ne fomente rien. On ne fomente rien. Je veux simplement dire que cette manière d'envoyer des barbouzes armés, des machettes brimer les gens, ça aura ses limites. Parce qu'avec les téléphones portables, quel régime qui va accepter d'être exposé comme ça avec des forces de l'ordre qui encadrent des citoyens armés pour aller brimer des marcheurs? Ça va pas indéfiniment prospérer. Même au Sénégal, ils l'ont fait. Sur le champ, là, ils ont calmé les manifestants pour quelques jours. Mais l'effet des images des forces de l'ordre qui encadrent des barbouzes aller agresser des marcheurs, est-ce que le monsieur peut s'en sortir plus longtemps avec une image aussi souillée? Parce que même le sorcier, là, qu'est-ce qu'on nous dit au village? Même le sorcier, là, il évite d'être exposé publiquement. Et je vous assure, il y a des gens comme ça qui s'en sortent. Ils font un rêve où son oncle l'attaque la nuit. Tôt le matin, il va devant sa case. Toi, là, qu'est-ce que tu faisais dans mon rêve? Mais parfois, ça fait reculer les gens. Donc, je veux dire que on va trouver les moyens pacifiques, peu coûteux en vie humaine. Et comme le dit, on va trouver les moyens. La nature nous offre un moyen de trouver l'imagination de certaines choses. Voilà. Donc, Boakwasi, je vais te laisser la parole pour le mot de fin. Alors, merci beaucoup à vous qui avez participé à cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont partagé les cœurs. Je voulais présenter mes plus plates excuses à ceux qui voulaient participer et qui n'ont pas pu. C'est faute du temps. C'est faute du temps, on n'a pas eu assez de temps. Mais je vous promets qu'on va trouver un moment pour pouvoir bien discuter parce que c'est le pays. C'est notre avenir, l'avenir de nos enfants. Surtout l'avenir de nos enfants, c'est notre territoire ancestral.
on n'a pas le choix que de se battre pour le récupérer. Ça là, il faut que ce soit clair et net. Et nous sommes tous unis, nous sommes ensemble. C'est parce que dans notre tête encore, on n'a pas encore bien connecté, bien compris que nous marchons tous dans la même direction. La preuve, voilà mon frère Jean-Yves qui parlait d'une méthode pour pouvoir exposer les tares du gouvernement et mon frère Marfileno qui parlait d'une autre méthode pour pouvoir forcer le gouvernement à négocier. C'est la même chose. Mais seulement peut-être ce n'est pas la même démarche, mais le résultat final là, c'est notre liberté et récupérer notre pays, notre terre ancestrale entre nos mains afin que nous puissions faire nous-mêmes tout ce qu'il faut pour mettre à l'aise nos populations. Voilà ce que nous voulons faire. Donc franchement, je vous remercie. Merci pour les partages, merci pour les cœurs, le soutien et tout. Et je veux terminer sur le fait que mon frère Jean-Yves a dit, il faut absolument des débats, une confrontation d'idées, une confrontation d'arguments. Il la faut. Il faut exposer à tous les Ivoiriens, à tous les Africains et au monde entier qui a raison. Simplement avec des arguments. Moi, je pense que j'ai raison parce que voilà ce que l'article dit et ceci, cela dit de la loi. Voilà l'autre aussi. Voilà ce que... Et maintenant, avec notre discernement que le Créateur, l'énergie créatrice nous a donné, nous, on va voir. Et en fonction de ça, maintenant, le peuple penchera du côté de celui qui sera le plus juste, le plus droit, le plus honnête. Voilà ce qu'il faut. Et maintenant, pour rejoindre mon frère Guerriero, quand l'opinion maintenant va comprendre où se trouve le mal et où se trouve la vérité, c'est là, mais on n'a plus besoin de parler. La rue fera le reste, s'il le faut. Ou bien le gouvernement en place, celui qui, du moins, ou bien celui qui a tort, là, parce que ça peut être aussi l'opposition qui a tort, hein, celui qui a tort, il va se taire à jamais. Et celui qui a raison aura tout le soutien du peuple, tout le soutien de la masse, de la foule. Et ça là, aucune armée ne pourra arrêter ça. Ça là, aucune armée ne pourra arrêter ça. Donc il faut que ce soit bien clair, parce qu'un peuple qui a compris, un jeune qui se fait une raison de sortir pour manifester, bien pour faire, pour revendiquer ses droits, parce qu'il a compris, tu peux pas l'arrêter. Il va pas sortir pour aller manifester pour X, pour Z ou bien pour un parti politique. Il va aller manifester pour ses droits, parce qu'il a compris. Mais tant que les gens vont aller danser, couper, décaler, s'amuser à danser, comment ça, sur les TikTok, aller sur les pages des gens qui sont en train de raconter les bérets, les conneries, là, les jeunes, ils sont toujours inconscients. Ils vont même pas savoir que leur pays est en train d'être vendu. Ils vont pas savoir que les gars, demain, ils vont travailler pour d'autres personnes. Ils vont être presque des esclaves. Ça ne les intéresse pas. C'est quand ça a commencé, là, ils vont commencer à dire, mais pourquoi? Oh, c'est trop tard. Le temps où on est en train de t'expliquer, là, toi, tu dansais. Donc, il est grand temps maintenant qu'on crée les plateformes, qu'on crée cette fameuse communication, comme mon frère le dit, pour que le maximum de personnes puissent être au courant. Demain, toi, tu n'as pas entendu, c'est parce que tu ne voulais pas entendre. Voilà, on est combien? Une trentaine sur ce live aujourd'hui, on est en train de parler des choses sérieuses. Des gens, eux, ils sont 15 000 sur d'autres pages là-bas, en train de rire sur les bérets et les bêtises des gens. Inconscient, pas inconscient, c'est vous-même qui voyez. Je suis Boakossi à CFX. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour les partages. Et puis, on se retrouve dans un autre cadre pour une vidéo aussi où on va parler des choses du pays. Car nous sommes des citoyens concernés. Merci.